Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots de la SNCF ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laisse le soin de vous présenter. Je suis Roland Cranoli, adjoint maire de Gagny depuis 2008. Je suis en charge de la politique de la ville, la prévention de la délinquance, la jeunesse et de la sécurité. Enchanté, monsieur Cranoli, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Je pense que le racisme est un fléau qui n'est pas suffisamment pris en considération dans notre société. Et pour aller même plus loin que ça, je pense que c'est un fléau qui est banalisé dans notre société. Certains de nos concitoyens ne prennent pas conscience que certains mots, certaines paroles, certains gestes et certains actes peuvent être discriminants, peuvent être vexatoires en raison de la couleur de peau, de l'origine de quelqu'un. Et le fait de banaliser ça conduit notre société à avoir une certaine, à avoir un comportement qui n'est pas forcément très sain. Pourtant, je pense que notre pays a un devoir vis-à-vis de ça, un devoir de lutte contre les discriminations raciales, parce que ceux qui sont passés avant nous, ne serait-ce que dès la Révolution française en 1789, ont fait une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui disait que les hommes naissent égaux et demeurent égaux en droit. Ce qui a été retranscrit ensuite dans la précédente constitution en 1946 et ensuite dans le premier article de la constitution de 1958. Donc je pense que nous ne devons pas laisser ce genre de choses être banalisées, surtout que notre pays détient un arsenal juridique qui est fort là-dessus, mais qui n'est pas forcément mis en œuvre. À titre personnel, avez-vous déjà été victime vous-même de propos discriminatoires, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou dans le monde professionnel ? Oui, j'ai été victime de discrimination, pas dans le domaine professionnel, parce que j'ai toujours gardé en tête des paroles que mon père m'avait dites quand j'ai quitté la Guadeloupe, mon île natale. Il me disait, tu vas en métropole, tu n'as pas la même couleur de peau que les autres, pour avoir les mêmes droits que les autres, il va falloir faire deux fois plus. Ben là-dessus, je me suis toujours basé, j'ai toujours basé mon action là-dessus en me disant, ben il faut que je me défonce, pour utiliser un terme assez familier, il faut que je me défonce dans le travail pour montrer ma vraie valeur et non pas limiter ceux qui me regardent à ma couleur de peau. Ensuite, dans la vie courante, je vous le disais il y a quelques instants, la banalisation des propos racistes et discriminants. Et elle est telle que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Ben moi, systématiquement, quand il y a un propos ou une parole qui me blesse ou qui me choque ou qui me gêne, juste une simple gêne, je le fais savoir à la personne qui est en face de moi. Voilà. Pour revenir à ces cheminots qui ont été victimes de violences psychologiques, pour certains, ils ont des rapports du défenseur des droits en leur faveur. Il y a des inspecteurs du travail qui ont déposé plainte contre l'entreprise. Pour d'autres, ils ont eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur, mais aujourd'hui, ils n'ont pas accès à la justice pénale, malgré un communiqué de la gauche forte, qui est un groupe de parlementaires, qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que Guillaume Pepy, donc président de la SNCF, soit auditionné. Que pensez-vous de cette situation ? Ben, je trouve cette situation un peu bizarre. Je vous le disais tout à l'heure que nous avons un arsenal juridique qui est fort. Il y a quelques années, nous avions une haute autorité de lutte contre les discriminations, la HALDE, qui a été remplacée par le défenseur des droits de l'homme. Le défenseur des droits de l'homme, comme vous le saisissez, mène une enquête assez minutieuse pour avoir déjà lu des rapports des défenseurs des droits de l'homme. Il mène une enquête assez poussée et ses conclusions sont logiquement suivies d'actions derrière. Il fait des préconisations, que ce soit à l'employeur qui est mis en cause ou au système juridique français, pour pouvoir mener des actions ultérieures. Et là, dans ce que vous me dites et dans ce que j'ai pu lire, parce que j'ai lu aussi des articles sur ces cheminots, et notamment le jeune Yacine, le Créois, qui est en grève de la faim depuis 2012. Et je trouve... Il a cessé sa grève de la faim, c'était en 2014. Maintenant, les choses se mettent en place, mais c'est juste pour que nos téléspectateurs ne croient pas qu'il y est encore, mais il a cessé depuis. D'accord, mais pousser un jeune homme à arriver à entamer une grève de la faim pour faire défendre ses droits, je pense que les autorités nationales devraient prendre ce problème à bras le corps. Et si aujourd'hui il y a un collectif tel que le vôtre, qui dit collectif dit qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs victimes, plusieurs personnes concernées par ce problème-là. Moi, ce que je vous conseillerais de faire aujourd'hui, c'est si notre pays n'arrive pas à assurer la défense de vos droits,
pays des droits de l'homme, la France encore une fois, si notre pays n'arrive pas à assurer la défense de vos droits, d'essayer d'agir au niveau européen, qui est un niveau supranational, qui pourra vous apporter des réponses peut-être un peu plus claires et peut-être pousser les autorités françaises à respecter les droits de l'homme. C'est une option que nous menons en parallèle, mais actuellement nous sommes sur le territoire français. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Vous parliez notamment de M. Yassine Zahraoui, autour duquel s'est créée une véritable solidarité intercommunale. Il y a beaucoup de villes qui ont voté des motions de soutien à son égard, mais plus largement en soutien à toutes les victimes potentielles de discrimination, de racisme et de harcèlement moral. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous, maire adjoint de la ville de Gagny, que la ville de Gagny pourra se joindre à cette solidarité intercommunale? Je pense que la ville de Gagny, et c'est la proposition que je vais faire au maire de Gagny, on prendra pas forcément une motion de soutien envers Yacine, mais une motion un peu plus générale, parce que pour nous, ça a beaucoup plus de force de défendre, de réaffirmer notre attachement à la lutte contre les discriminations, à la lutte contre l'exclusion de personnes en fonction de leur couleur de peau, de leur origine, leur orientation sexuelle ou même de leur sexe, réaffirmer notre attachement à l'égalité des droits. Je pense que ça a beaucoup plus de force et beaucoup plus de signification, notamment pour nos jeunes en devenir. Vous qui êtes quand même sur le terrain de par votre fonction ici à la mairie de Gagny, quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant? Je vais vous donner un exemple qui est simple. Vous savez, tous les grands sujets tels que l'écologie, la préservation de l'environnement et autres, nous nous sommes rendus compte au niveau de la mairie de Gagny que l'éducation des adultes passe avant tout par l'éducation des enfants. C'est pour ça que dès cette année, dès la rentrée 2014 à la mairie de Gagny, nous avons mis des ateliers dans toutes les écoles de la ville pour la promotion de la coopération. Des ateliers pour que les enfants cessent la compétition les uns contre les autres, mais qu'ils apprennent à travailler en coopération. La coopération, pour moi, c'est l'apprentissage de la tolérance. Et commencer par éduquer les jeunes sur la tolérance, donc l'acceptation de l'autre, et apprendre à connaître l'autre avant de porter un jugement sur son comportement, son origine ou ses choix, c'est pour nous une porte de sortie vers une société un peu plus apaisée. Vis-à-vis de la lutte contre les discriminations, au niveau de la mairie de Gagny, nous menons une sensibilisation là-dessus, que ce soit au niveau des agents qu'au niveau des usagers qui fréquentent la ville aussi, hein, parce que parmi nos agents, nous avons des agents de toutes origines, donc ils ne doivent pas être victimes ni par des collègues, ni par des usagers, parce que ça c'est encore plus facile, ni par des usagers de discrimination raciale. Et même dans le recrutement qui est mené dans la ville de Gagny, nous faisons aussi attention à ne pas heurter la sensibilité des gens ou à ne pas écarter des gens de certains emplois en raison de leur couleur de peau ou de leur origine. Ce sont de belles initiatives, nous espérons qu'elles pourront porter leurs fruits. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien, votre solidarité pour de futures mobilisations citoyennes afin de venir en aide à ces victimes ou pour de futures démarches administratives pour qu'ensemble nous puissions faire reculer la violence par le biais de la solidarité qui rejoint totalement le slogan de l'association? Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que vous avez déjà mon soutien. Nous le savons, mais nous voulons que nos téléspectateurs puissent en profiter et puissent savoir que la mairie de Gagny est solidaire dans cette lutte contre les discriminations. Je vous le réaffirme. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour cette solidarité et j'espère à très bientôt pour des actions communes pour que les choses puissent avancer dans le bon sens. Je vous remercie avant tout d'être venu jusqu'à moi, avant tout pour la lutte que vous menez, parce que pour moi, lutter contre les discriminations, c'est lutter pour les droits de l'homme. Et là-dessus, la ville de Gagny, comme moi-même, nous serons toujours vos partenaires, nous serons toujours vos soutiens là-dessus et vos remercions au nom des Gabiniens et en notre nom propre. Merci beaucoup pour ce témoignage et à très bientôt. Au revoir.